Voici à présent le terrier d'Avesnes-le-Comte qui date du XVIIe siècle. Alors cet énorme codex qui pèse 10 kilos regroupe en réalité toutes les informations de la seigneurie d'Avesnes-le-Comte de l'époque. Donc qui habite, sur quelle parcelle, qu'est-ce qu'il possède. En vérité, c'est une sorte d'ancêtre du cadastre qui permettait à l'époque de lever l'impôt. Ce qui est vraiment intéressant avec ce codex, c'est qu'on voit très bien les marques de la restauration puisqu'il a été restauré il y a de ça quelques mois. On le voit notamment au niveau du cuir, sur le dessus, mais aussi à l'intérieur, que ce soit les pages qui ont été comblées par du papier japon ou l'encre métallogallique qui a complètement rongé le papier et qu'on a dû également combler avec du papier japon.